par ton employeur. En quoi l'employeur devrait-il être concerné par des risques psychosociaux avérés? Après tout, entre l'employeur et le salarié, qu'y a-t-il? Un lien juridique. Il n'y a pas d'affectif là-dedans. Un lien juridique générateur d'obligations. Quelles obligations? Eh bien, des obligations qui sont au service d'un échange économique, tout simplement. Du temps pour exécuter un travail sur ordre. Cela contre une somme d'argent. Où donc est le risque psychosocial avéré? Les facteurs psychosociaux, en réalité, seraient les causes, les déterminants d'atteinte au psychisme, qui seraient les troubles psychosociaux, qui n'en seraient donc que les conséquences, les effets. Alors, dans la littérature traditionnelle sur le sujet, on va quand même trouver des informations sur les potentiels facteurs de risque psychosociaux. Ils vont nous dire, finalement, il y a des dangers dans l'entreprise. Il y a un certain nombre de sphères qui, si elles dysfonctionnent, sont susceptibles de générer des troubles psychosociaux. Alors, parmi ces sphères, on va trouver les exigences du travail et son organisation. Sont généralement citées l'autonomie dans le travail. Est-elle suffisamment importante ou est-elle éventuellement trop importante? Le degré d'exigence du travail en matière de qualité et de délai de réalisation. La vigilance et la concentration qui sont requises par l'activité, par le poste. Et éventuellement, les implications managériales à travers, possiblement, les injonctions contradictoires. Je rappelle que les accidents du travail doivent donner lieu à la mise en œuvre potentielle d'une responsabilité au titre de l'obligation de sécurité des résultats. Alors, on parle souvent de l'obligation de résultats, mais quelles sont les caractéristiques et finalement quelles sont les incidences pour l'ensemble des parties? Les propriétés d'une obligation de résultats, c'est que la responsabilité du débiteur, elle sera acquise dès que sera rapportée la preuve de la non-atteinte du résultat. En d'autres termes, si le créancier de l'obligation, en l'occurrence le salarié, réussit à démontrer que le résultat n'a pas été atteint, ça vaut présomption de faute, ça vaut présomption de gain de causalité, et on le verra à travers les illustrations jurisprudentielles, et ça c'est plus critiquable, ça vaut également présomption de préjudice à l'endroit du créancier. Alors une question qui se pose fondamentale en matière d'obligation de sécurité, c'est finalement à quel résultat l'employeur va-t-il s'engager? Pour moi, il y a quelque chose qui est simple, c'est que s'engage à sauvegarder l'intégrité physique ou psychique du salarié. Ça veut dire que si, par exemple, dans le cas d'un accident ou autre, le salarié est victime d'un dommage corporel, le résultat n'est pas atteint et on peut en déduire la violation d'obligation de sécurité de résultat. De la même façon, en cas de trouble psychique avéré, en cas d'atteinte à l'intégrité psychique du collaborateur, on pourra également en déduire que l'obligation de résultat n'a pas été respectée. La difficulté par rapport à l'introduction généralisée, c'est que sur cette notion de psychisme, on est sur une notion assez fluctuante, assez volatile, assez subjective. Donc à partir de quel moment on pourra considérer qu'effectivement le résultat de la préservation du psychisme n'a pas été atteint? Alors, en cas de suicide éventuel démontré comme étant lié au travail, on n'aura pas de difficulté. Dans l'hypothèse d'une dépression nerveuse caractérisée par un ensemble de psychiatres, il n'y aura pas de difficulté. Par contre, il y a tout un champ des troubles psychiques qui est beaucoup plus difficile à appréhender. Vous faites de l'insomnie, vous êtes fatigué, vous avez des troubles digestifs. Est-ce que finalement, ça ne serait pas lié au travail? Et est-ce que le seul fait d'invoquer ces troubles digestifs comme étant liés au travail suffit à mettre en jeu le jeu de l'obligation de sécurité de résultat et contraint l'employeur à tenter de s'exonérer de sa responsabilité en démontrant l'existence d'une cause totalement étrangère? Alors, là, on commence à toucher le petite subtilité de la notion de harcèlement moral. Le Code du travail nous dit que la dégradation des conditions de travail du salarié est susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel. Le mot susceptible est souligné, puisque le mot susceptible va entraîner une condition hypothétique. On n'a pas forcément à avoir une dégradation des conditions de travail, une atteinte à la santé physique qui soit réalisée, qui soit avérée, pour que le harcèlement moral soit de prévention. Si jamais le dialogue, la formation, l'information des salariés ne suffit pas et que des actes de harcèlement peuvent être caractérisés dans l'entreprise, on va déboucher sur une phase contentieuse. Le premier élément de la phase contentieuse, c'est la preuve du harcèlement.
dans les dossiers contentieux de harcèlement, à 50% des dossiers, on gagne parce qu'on arrive à démontrer que le salarié n'aura pas la preuve d'un comportement réitéré et qui se contente d'invoquer une dégradation de ses conditions de travail, ou à l'inverse, il ne démontre pas la dégradation des conditions de travail, mais invoque des comportements réitérés. La preuve est donc primordiale dans les contentieux relatifs au harcèlement. Une fois que la preuve du harcèlement est ramenée, on va envisager la sanction du harcèlement. Alors la sanction, elle est plusieurs ordres et elle touche plusieurs personnes. La sanction, elle peut déjà être disciplinaire, elle peut être pécuniaire, elle peut être pénale, et elle peut toucher aussi bien le salarié, harceleur, que l'employeur. La sanction disciplinaire, on a un article très clair du Code du travail qui nous dit que tout salarié qui a procédé à des agissements de harcèlement moral est passible d'une sanction disciplinaire. La faute grave est encourue dans la majorité des cas lorsque le harcèlement moral est démontré. La sanction pécuniaire, elle peut toucher aussi bien l'employeur que le salarié en sa qualité de harceleur. L'allocation de dommages d'intérêt au titre de harcèlement moral relève de la compétence du conseil de prud'homme, qui est compétent pour connaître tous les outils liés à l'allocation du contrat de travail. La condamnation de l'employeur est quasiment automatique, en raison de son obligation de sécurité de résultat. Et la condamnation du harceleur salarié, le supérieur, qui n'a pas la qualité d'employeur, peut être envisagée lorsque celui-ci excède les limites de sa mission ou qu'il commet intentionnellement une infraction causant un préjudice à un tiers. L'arrêt du 21 juin 2016 a une particularité, c'est-à-dire qu'il reconnaît la compétence, la possibilité d'avoir une condamnation tant de l'entreprise employeur que du salarié harceleur. Alors, le médecin du travail est en position de donner un avis et d'établir un diagnostic des risques psychosociaux. Premièrement, par le suivi clinique. Alors, je rappelle, tout ça c'est dans le Code du travail. Le suivi périodique systématique qui a un double intérêt. Nous suivons tous les salariés, c'est-à-dire depuis l'opérateur de base jusqu'au directeur général, à partir du moment où ils sont salariés, tous les salariés, ce qui nous permet d'avoir une vision globale de l'entreprise. Et d'autre part, sur la durée, parce que jusqu'à maintenant, je ne sais pas comment va évoluer la santé au travail, c'était le même médecin qui suivait une entreprise pendant un certain nombre d'années. Fait qu'on peut suivre une entreprise pendant 10 ans, 15 ans, donc finalement connaître toute l'entreprise.